on se retrouve aujourd'hui pour que je vous fasse la présentation de ce livre-là. C'est du coup le Beauty and Bestie. Bon, l'accent anglais, vous savez que c'est pas trop ça. De Camila Derico. En fait, c'est le nouveau livre, j'allais dire, qui va sortir, mais non, en fait, qui est sorti. En fait, sur Amazon France, il sort le 31 octobre. Et Ellie me l'a offert et l'a acheté sur Bocuse. Donc, du coup, moi, je m'étais même pas renseignée parce que je pensais même pas qu'il sortait avant. Alors que pourquoi? Pourquoi il sortirait pas avant? Les Carzone et tout, ils arrivent sur Amazon après. Mais j'avais pas pensé une seconde à regarder ailleurs. Enfin, bref. Donc, du coup, elle me l'a offert. Vous devez bien savoir que je suis, mais alors, trop, trop, trop contente. Je voulais me l'acheter, hein. J'attendais le 31 octobre pour l'acheter. Donc, bah voilà. Elle a tapé dans le mille, hein. Je l'ai déjà feuilleté, franchement, il est magnifique. Je vais quand même finir mon Cute and Creepy avant de l'entamer. Mais, bon, je suis quand même pressée, alors, bon, on verra. C'est la 2 ou 3, là, j'ai des vrais coups de cœur et... Mais bon, je me dis, finis ton Cute and Creepy, il t'en reste... Enfin, toi, il te reste... Il me reste 10 colos, je crois, donc bon. Bref, le papier a l'air plus lisse. Je ne l'ai pas essayé encore, vous devez bien imaginer, mais il a l'air quand même vachement plus lisse. Donc, je sais pas, à voir. Et puis, bah, écoutez, on va commencer. Déjà, la couverture, elle est trop belle. Là, ça brille en rose. Voilà. C'est la même taille et c'est le même nombre de colos que dans le Cute and Creepy, hein. Je pense que c'est standard. Du coup, voilà la page de titre. Hop, on va se mettre comme ça. Est-ce que ça passe? Ouais, nickel. Donc là, mais je trouve, vous allez voir au fil du livre, oh, les petits cœurs comme ça, c'est magnifique. Au fil du livre, que je trouve que ses portraits et ses cheveux sont quand même mieux que dans le Cute and Creepy. Donc là, j'adore une petite fille avec des cornets et des cœurs. Il y a pas, je crois qu'il y a une double page que j'aime pas, mais sinon je les aime tous quoi. Donc là, une petite fille avec des lapins. Il n'y a pas des trucs bizarres comme, enfin si, il y a des trucs bizarres, mais il n'y a pas d'œufs qui coulent sur la tête ou, enfin, vous voyez. C'est un peu plus soft, je trouve. Là, le petit animal qui mange, moi je dis c'est des concombres, mais après peu importe, mais franchement, il est vraiment trop beau, franchement. Hein. Les fonds et tout. Là, c'est une petite dame avec de la mousse, des poissons. Oui, même celui-là qui pourrait être bizarre, je me dis c'est de la mousse en train de se laver. Une grenouille avec un monsieur dessus. Un roi. Il est trop trop beau. Là, une petite dame avec des licornes, enfin des licornes, des cornes. Franchement, c'est vrai que c'est particulier ces traits, hein, mais alors après, elle nous a fait des doubles pages plutôt, plutôt hyper méga chargées, hein. Il y a plein de petits éléments, mais bon, franchement, il me déplaît pas celui-là. Une fille avec les cheveux dans le vent comme ça, j'aime trop. La page des docteurs. Là, je vais faire, je pense, comme moi et ma meilleure copine. Et puis là, bon, un docteur loup, je peux pas le comparer à quelqu'un que je connais, mais j'aime trop cette page-là. Voilà, là, c'est la double page où je me dis, bon, c'est pas grave, il faut bien qu'il y en ait une, enfin la double page. C'est les deux colos que... c'est quand même bizarre, quoi. Mais bon, ça sera fait quand même, hein. Elle est trop mignonne, même si elle est triste, mais elle est trop mignonne. Et là, regardez, il y a l'abeille qui mange, quoi. On dirait qu'elle a été surprise en flagrant délit, un peu. J'ai l'impression que c'est comme moi quand... quand je mange un truc et que je fais « Non, c'est pas vrai, vous m'avez pas vu manger. » L'ours qui se termine en sirène, je sais pas. Elle est trop belle, elle aussi. Ouais, et les doubles pages, elles sont... Par contre, elle se relie bien. C'est pas comme dans mon Cute and Creepy. Mais c'est vrai que les doubles pages, c'est pas un coup de foudre, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Oh, le petit ours, là, avec son petit parapluie, son petit truc d'asiatique, là. Bon, ça, c'est bizarre. Hein. Il y a un œil. Celui-là, il ressemble, on dirait les trois, le pote de celui du Cute and Creepy que j'avais fait. Je l'avais fait en violet, je m'en souviens. La petite fille avec l'éléphant. L'éléphant qui a des cheveux. Celui-là, il est trop marrant.
On dirait un oiseau, enfin on dirait c'est un oiseau, pharaon, chat. C'est quand même très chelou, quoi. Là, le chien avec la fumée, la licorne sirène. Celui-là, je l'aime trop. Oh, vous allez voir, il y en a un, comment il est trop mignon, il est trop kiki, le coloriage, mais j'ai adoré, je le ferai pas tout de suite, mais vous allez voir plus tard. Et celui-là, pareil, je l'aime bien. C'est vrai que c'est bizarre, une tortue et une pieuvre sur la tête, mais je préfère ça que les œufs qui dégoulinaient dans le Cutten Creepy, quoi. Encore une double page. Bon, après, le poisson, la pieuvre. Une fois qu'on a fait le poisson et la pieuvre, ça va, c'est des petits persos après. Oh, celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'adore. Et puis, j'adore dans le fond, c'est des cœurs serpents. Oh, je l'aime trop, celui-là. Celui-là aussi, franchement, cette double page-là, j'adore. Et puis, même les fonds, je trouve, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais les fonds, quand il y a des gros trucs dans le fond, les traits, ils sont moins foncés. Je sais pas si vous voyez. Hop! Ah, ça crie en bas. Celui-là est trop beau aussi. Le lion licorne, le lion sirène. Franchement, il est vraiment canon. Il pourrait ressembler au Cutten Creepy, hein, parce que c'est des trucs quand même un peu mignons, mais cette double page-là aussi. Déjà, les deux, ils se rejoignent là. Enfin, bon. Il va falloir démêler qui est quoi là-dedans. Le chat, regardez le chat serpent. C'est quand même très marrant. Moi, ça m'éclate. Hein. De faire un chat serpent. Enfin, bon, voilà. La page des petits koalas. Celui-là, c'est pareil. Il y a un dans le même style, dans le Cute and Creepy. La chauve-souris. Ça, en plus, j'aime bien Camilla Del Rio parce que des fois, quand on n'a pas envie de faire des gros colos, c'est des colos qui vont vite, quoi. Donc, bon. C'est vrai que c'est toujours sympa. À faire qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Là encore une double page de la folie. Oh, celle-là est trop belle. La petite fille, là, la petite poupée avec ses fleurs et tout. Et ça, pareil, ça, je ne sais pas définir. Mais je trouve ça trop mignon, mais je ne sais pas définir ce que c'est. Le loup avec sa bouée. Non, mais franchement. Pardon. Ça me fait penser à un Pokémon. Alors moi, je suis très nulle en Pokémon. Hein. Mais cet été, mes nièces a joué avec des cartes Pokémon et ça pourrait me faire penser à un Pokémon. Le chat, le Yeti, bon, cette page-là, elle m'enchante pas, mais voilà, c'est pas la pire. Hein. Oh, j'adore. J'adore. On dirait, c'est ce que je disais à Ellie, dans la famille Adams, là, il y en a un, il s'appelle Cousin Machin. Et il est comme ça, il a les cheveux et quand il parle, il fait. Enfin, bref. J'adore. Et puis les petits cœurs avec les cheveux et tout, cette page-là, je l'adore. Et celle-là, elle me déplaît pas non plus avec la tortue, là. Mais ça me fait rire, ça m'a fait rire le cochon là, le gros cochon comme ça. Celle-là, ça va. Il y a beaucoup de taf quand même dans celui-là, mais je l'aime bien. Celui-là, c'est pareil, regardez la langue là. C'est très particulier, moi j'adore. Oh, regardez. Cette double page là, je l'adore. Déjà, elle, je l'adore, même si j'aime pas les araignées. Hein. Je trouve que le concept, il est trop fort. Mais lui là, lui s'il vous plaît, il est pas trop mignon. Franchement, il est trop kiki ce petit rhinocéros là. Oh, je l'aime trop. Et ouais, je crois que le papier il est quand même plus lisse. Hein. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le même quoi. Bon, cette double page, pareil, elle m'enchante pas, mais ça va. Celle-là aussi, elle est balèze. Hein. Celle-là, elle est bizarre quand même. C'est quoi ça? Enfin bon. Camilla Derico, des fois, faut démêler. Faut bien regarder le colo avant d'attaquer quoi. Le petit dragon, l'autre dragon, mais j'aime bien, jamais. Oh, je suis trop contente, franchement. En plus, le fait que ce soit Ellie qui me l'a offert, ça fait un petit truc. En plus, là, je l'aime bien. Pourtant, la double page, elle est balèze, mais j'aime bien parce que je me dis, enfin, lui, je le voyais déjà bien le faire en vert, un beau vert là. Et puis, je sais pas, enfin, bon, celui-là, il m'inspire bien. Pourtant, la double page, elle est balèze. Hein. Parce qu'en fait, Ellie, le Cute and Creepy, c'est moi qui lui ai offert. Donc, qu'elle m'offre celui-là, je trouve que c'est enfin, c'est symbolique, quoi. Vous voyez, je suis trop contente. Et puis, évidemment, moi, Camilla Derico, j'adore, quoi. C'est pas mon illustratrice préférée. Parce que c'est pas des choses que je fais où, entre guillemets, je prends mon temps. Et c'est plus des colos détente. Mais j'adore. Enfin, franchement, j'adore. Donc, qu'elle me l'ait offert, ça a une valeur sentimentale de ouf, quoi. Hop!
On est sur la fin là. Ça, c'est la page de couverture. Ouais. Et celui-là, ah oui, celui-là, j'adore. On dirait vraiment un dessin d'enfant, enfin d'enfant, de livre d'enfant, un dessin de comptine un peu. J'aime trop, voilà. C'est vraiment gros, gros, gros coup de cœur pour ce livre, lui, évidemment, gros coup de cœur aussi. Mais franchement, il y a vraiment la double page là que je vous ai montré au début. Enfin, au début. Si, celle-là, c'est quand même très particulier, mais sinon, trop contente. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. J'espère que vous allez être nombreux à craquer. Dites-moi du coup si vous allez craquer et dites-moi s'il y a des pages que vous préférez à d'autres. Hein. Franchement, j'ai hâte d'avoir votre avis. J'espère que vous allez être aussi enchantés que moi de le découvrir. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve bientôt. Hein. C'est en ce moment, je fais pas mal de vidéos, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Et puis je vous souhaite du coup une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!